Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une fois sur mille. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ourse, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander: Que fais-tu là? Et moi, je prétendrai lui répliquer? Je chercherai des arguments contre lui? Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix.